Eh bien salut, c'est AJ, on se retrouve pour ce 13e épisode de Yoshi's Woolly World. Alors finalement, il n'y aura pas de monde secret, il n'y aura que des niveaux secrets. Et quand on aura fait les 6 niveaux secrets, un nouveau niveau va apparaître. Donc, on va le faire aussi dans cet épisode. Alors les niveaux sont assez durs, surtout quand il faut aller chercher tous les trucs. Du coup, ce que je vais faire, c'est faire tous les niveaux hors caméra et commenter tous ces niveaux en différé. Donc voilà, c'est parti pour le premier niveau, prépare-toi. Bon, la particularité dans ce niveau, c'est qu'on va devoir jouer avec des vagues là, qui vont commencer à apparaître. Il va falloir les attendre à chaque fois. Et en fait, ces vagues-là vont pas durer, elles vont retomber. Donc voilà, à chaque fois, il va falloir voler et attendre qu'elles apparaissent. Alors, question nuage, on va se maxer en pelote pour pouvoir les prendre. Je vais attendre un petit peu parce qu'il y a de la vie sur le nuage de gauche et sur le nuage de droite. Et c'est les seuls où il y a de la vie. Donc pour avoir la vie au maximum, il va falloir attendre. La petite pelote ici. Et on va attendre la vague. Donc tout le long c'est comme ça, avec Yoshi il va falloir s'amuser à voler. Essayer de récupérer quelques pelotes. En récupérant bien entendu les nuages qui sont cachés. C'est pour ça que j'ai pris le badge objet caché visible. Voilà, en plus comme ça on peut voir aussi où sont les tampons et pas trop se faire chier. Un nuage caché avec une pelote. Donc les pelotes et les fleurs bon sont assez simples hein, avec l'objet caché visible. Bah, c'est sur le trajet. C'est tout con. Il n'a pas des bien cachés. Enfin, très attention, tu dégages au cas où. Et nous, on va récupérer ce nuage avec une fleur. Voilà. Tout est sur le chemin, les fleurs, les pelotes. Et les tampons, bien entendu. Oula, lui, avec son pic, là, a dérivé. Donc, il va falloir faire très attention et pas perdre sa vie comme un con. La fleur est en bas, on va essayer de la prendre après qu'on ait tué les masters. Et vous aussi, vous allez dégager, comme ça, on sera tranquille. Oui, on récupère. On rattend la vague du coup. Voilà. Et on poursuit notre chemin. On maintient le truc pour voler. Par contre, j'ai failli me casser la gueule. La pelote ici. Voilà, avec une plante. Hein. J'ai noté qu'il y aurait eu un monstre dessus. C'est pour ça que j'ai attendu. Toi, tu viens avec moi. Je te saute dessus. Bon, là, je peux y aller tranquillement. J'attends qu'il passe. Voilà, et on y va. Ouh, la pelote. C'est bon. Déjà, on les a toutes. Là-haut, il y a un tuyau caché. On va essayer de l'activer. Faut me faire toucher par le mascasse. Et on y va. Donc, le seul truc secret entre guillemets. Faire attention au cadeau, voilà, c'est rempli de mascasse. On va se faire niquer la gueule pour rien. Et nous on prend le nuage. La dernière fleur. Allez les mascasses, vous dégagez. Je sais pas, il respawn. Voilà, on se casse. On continue à pouvoir bien finir ce niveau. Voilà, on attend que les mascasses passe tranquillement après nous aussi, on y va. Et voilà, on arrive à la fin. Et on se chope pas le bonus, ça. Voilà. Merci. Donc 100% du premier niveau secret. Yoshi. Ouais, c'est tout beau. Toi en or. On va débloquer un nouveau Yoshi. Les Yoshi consoles. Si on peut dire ça comme ça. Hop là. Allez Yoshi. Reconstruction. Yoshi Wii U. Eh ben il a tellement la classe qu'on va le prendre. Voilà, et on va pour le deuxième niveau secret. Niveau 2S. Alors lui je crois qu'il n'y a pas besoin forcément de badge. Mais bon, on va en prendre un quand même parce que je suis plus très sûr. Objet caché visible. On y va, let's go! Chargement! Bon, ça s'appelle pas énigmatique pyramide pour rien, parce que justement, il va y avoir plusieurs énigmes. Tout d'abord, on va prendre de la pelote avant d'entrer dans la pyramide. On peut voir qu'il y a une porte qui est fermée à clé avec la clé en haut, mais on peut pas la voir. Bon, il y a un cadeau qui se situe en haut. On peut voir qu'il y a des petites cases invisibles pour le moment. On peut rien faire, donc on avance. Donc la première énigme, c'est tout simple, il va falloir prendre ce Koopa, le jeter sur cette plateforme, donc il faut attendre qu'elle descende, voilà. Et le truc qui va arriver, c'est qu'elle va activer le bouton rouge, et nous, on va devoir le suivre très très rapidement.
comme ceci, on va essayer de récupérer la pelote en même temps, parfait. Il faut aller très très vite parce que va falloir le récupérer ici pour pouvoir le rejeter, qui active le bouton jaune, fasse tomber la clé et on peut entrer dans la porte à clé. Voilà, ça c'est la première énigme, c'est la plus facile. Ah, un nuage caché, bon, heureusement j'ai pris l'objet caché visible du coup. Avec une fleur. Voilà, merci Yoshi. La deuxième énigme. Hop, ça va, bon, pas toi. Encore une clé. Bon, qui est bloqué par des cages jaunes. Il y a un petit bouton jaune. On va pas faire grand chose pour le moment. Donc on va continuer. On avance. Un bouton rouge en bas. Une pelote. Encore un bouton rouge. La pelote aussi, c'est impossible à voir. Voilà, tranquille. Je peux toujours rien faire là avec ces petits boutons. On ramasse les tampons. Ah. Alors, il va falloir s'aider de ce guignol là pour activer tous ces boutons. Et tu vas voir. Il va falloir faire. Tout d'abord, on va lui foutre des coups de langue. Là, il l'a activé. Ah, il y a la petite fleur à récupérer. Donc, on va aller récupérer la fleur. Dégage, voilà. On prend ça. Bon, je vais le repousser. Parce qu'il va falloir activer le bouton, bien entendu. On continue. Hop. Hop là. Voilà. Il va falloir tracer son chemin en lui tirant la langue dessus. Bon, on peut utiliser aussi la pelote. Ça le fait rouler. Ça va plus vite. Mais je préfère les garder pour le moment. Alors ici, il va falloir utiliser la pelote, pas le choix. Voilà, il roule, il continue à rouler. On fait pareil, on le repousse. Il va monter tout seul. La deuxième partie de cette deuxième énigme. Pareil, tu vas là en bas, tu actives. Et il va falloir le faire monter ici. On va aller monter tout seul, voilà, hop, tu roules. Il va sauter sur le bouton jaune et il va faire la descente de la clé. J'ai un petit bug graphique sur les petites cases qui apparaissent. Je sais pas si c'est ma vidéo qui bug ou c'est le jeu. On verra ça dans le rendu. De toute façon. Je prends ça. Et on y va. Troisième énigme. Troisième énigme. La plus casse-couille. Tu vas voir. Ah là là. On récupère déjà la life. Tu vois cette taupe. Bah, tout le long, il va falloir se la taper. Et sans qu'elle crève, et ça le plus chiant. Tu vas voir, j'ai me fail pas mal de fois. Bon, déjà elle veut pas monter, on va l'attendre ici. Ma petite taupe. On attend bien ici sans qu'elle tombe. C'est bien, elle tombe pas. En plus, il faut ramasser les tampons, les pelotes et les fleurs qui traînent. Là. Hop là. C'est le gogol de taupe. Fait que de nous suivre. Hop là, hop là. Oh! What? J'ai réussi à la toucher d'ici. Elle a un manque de peau quand on la tue. Il faut leur chercher les autres. Allez, on refait la même. Tu vas voir. On fait plusieurs fois. Dégage, En plus, le truc, c'est que je la touche pas. Je suis à côté. C'est la nuit. Il apparaît ici. Eh, on tombe pas. Hein. Joue pas la maligne, la taupe. On y va. Petit saut pour l'esquiver. On y va. Hop. Hop là. Hop là. Hop là. On va se poser ici. Attends. L'autre plateforme. Wow, wow, wow. Non. Ok. Bon. On va récolter ça en attendant du coup. Descends, j'ai dit, ça le code. Voilà. Eh bien. Eh bien, Robert, de l'autre côté. Un demi-tour et t'actives le bouton. Voilà. C'est bien. C'est bon, ouais, casse-toi la taupe. Alors, ici, le feu. Je sais pas. Quoi il sert. Bon, lui. Non, il n'y a rien en haut, apparemment. Je vais m'aider de lui pour voir. Hop. Non, rien en haut. En bas. En bas, il y a un passage. Avec un cadeau en plus. C'est une fleur, la dernière fleur. Bon, le truc à faire alors, c'est le cramer, le tuer.
Ouais, c'est ça, et on fait apparaître une petite flèche. Hop là! Alors, avant, à gauche, hein. Voilà, on sent le passage. Pelote, s'il vous plaît, les derniers tampons, ça serait cool, il en manque un. Toc. Y'est pas. Il est ici! Yeah! 100% du niveau! Sans la fleur, sans le bonus. Et ben c'est tranquille pour le moment. Voilà. On va reconstituer ton Yoshi. Un nouveau Yoshi console. Tiens, je te hais. Avec la taupe. Et à droite, personnage qui rage. Ah, franchement, la taupe est casse-couille. Le reste, ça va. Reconstruction. Yoshi. Yoshi-oui, ça. Yoshi-oui. Allez, on y va pour le troisième niveau secret. Alors, troisième niveau, assez chiant d'ailleurs, si on ne connaît pas, pour savoir les emplacements des trucs. Au bon moment, allez, on rentre dans ce niveau 3. Mais tu verras, ce niveau est quand même pas mal. Alors, le but dans ce level, c'est tout simple, c'est du scrolling. Il va y avoir une beanball en nuage juste en bas, voilà, qu'on peut apercevoir. Et tout le long, il va falloir rester dessus, donc il va falloir aussi ne pas la tuer, parce que sinon on est dans la merde, on ne pourra pas continuer. Donc c'est parti, on monte sur son petit nuage et on va faire le plein de pelotes. Plein d'ennemis aussi vont surgir, là on peut le voir avec les taupes, on prend les tampons qui traînent. Ouh, il a failli me toucher. Pour ça j'ai pris les objets cachés visibles, au moins on voit tout ce qu'il faut prendre. Alors la fleur en haut avec le tampon vite fait. Alors la pelote tu vois qui rebondit, elle peut toucher la bibelon, faire très attention. Encore une taupe, bon celles-là sont pas gênantes. Une charge au sol, on remonte. Et la charge au sol en fait ça enlève le morceau de nuage là où on tombe. On descend. Une fleur qui est cachée dans le sable, donc heureusement qu'on a des pelotes. Il faut bien les garder quand même parce qu'on va en avoir besoin, comme ici par exemple, et une encore en haut. Pareil, j'en avoir besoin, on reprend la pelote et on continue. Hop. Et hop. La pelote, la première. Ici, c'est la seule vie. Donc si on se fait toucher, eh ben tu l'as dans le cul. On continue. Alors là, pas mal de big balls qui vont se ramener avec des taupes. On va essayer de les ramasser en même temps. On refait de la pelote comme ça. Oula. Ok, wow. Doucement les gars. On prend la fleur avec le tampon. On dégage les nuages parce qu'il y a un truc caché dedans. C'est pas le seul aussi. Voilà notre nuage avec une fleur. On prend la taupe, une pelote. Alors là, si on connaît pas, on s'y attend pas. Donc il y a juste un cadeau ici avec une fleur. Et après, il suffit de monter. Essayez de faire une charge au sol pour aller chercher la pelote. Ah, ça enchaîne, ça va très vite. Hein. C'est pour ça qu'il faut connaître le niveau. Si tu connais pas, t'arrives pas à tout avoir. Les taupes qui sont en train de me charger sur la gauche. Pour atteindre cette pelote, il suffit de monter sur l'espèce de grosse bilboul là à gauche sans se faire toucher. Et de courir pour pas se faire niquer. Voilà. Nous avons tout. On peut finir avec un connard de jeu de bonus de merde. Voilà, donc le niveau quand même, il est sympathique. Je l'aime bien. Mais là, c'est chiant quand même. Bon, on va skip ça. Et 100% du niveau. Yeah. Nous allons reconstruire ce nouveau Yoshi console, hein, comme je les appelle. Et apparemment, c'est dans la... Ça dépend de la date à laquelle ils sont sortis. Donc, je crois avant, on a eu quoi? La Wii? La GameCube, alors. Oui, c'est ça, c'est la GameCube. Yoshi GameCube. On se retrouve pour le niveau 4S. On est parti pour le niveau 4S, la contre-attaque d'Ultra Piranha. Nous allons prendre le badge objet caché visible, mais par contre la première fois je crois que je l'ai fait, j'ai pris l'aimant parce que ça aide énormément quand on connaît pas le niveau. Mais on va prendre l'objet caché visible parce que aussi des nuages cachés. Allez on y va. Alors niveau assez compliqué comme je l'ai dit quand on connaît pas. Déjà on va prendre la pelote et encore une fois ça va être
un scrolling avec une grosse plante piranha qui va nous poursuivre tout le long. Du coup, va falloir se dépêcher, prendre les tampons, rien rater. Parce que si on rate une chose, bien c'est fini. Comme ça avance, l'ultra piranha va pouvoir nous bouffer. Une fleur cachée ici, pour ça j'ai pris l'objet caché visible. Sinon, l'aimant à objet, comme j'ai dit pour la première fois, ça sert à tout prendre parce qu'en fait, il y a des objets qui sont assez bien planqués ou difficiles à atteindre. Donc ici, on va prendre le Koopa, il va nous servir. On va utiliser cette plateforme, on prend les badges. Et ici, on va acheter le Koopa. Voilà. Bah, tu vois, si on connaît pas ici, et ben l'aimant à objet va prendre tout seul l'objet, comme la fleur là-haut. Il va falloir rejeter un Koopa. Ça va extrêmement vite, ici de la vie. Faut absolument le prendre parce qu'il y a que deux zones de vie. L'ultra piranha a été tué par le Koopa. Bon, elle réapparaît vite. On peut lui jeter aussi des pelotes. Hein. Ça nous met un peu moins dans le stress, mais bon, je vois pas trop à quoi ça sert. Parce qu'il a une hitbox de merde. C'est-à-dire qu'on pétait au niveau de sa bouche, il a repris dessus. Allez, on va descendre. Vite, on active le nuage et on repart de l'autre côté. Il faut extrêmement vite ici prendre le badge parce qu'il va avoir une racine voilà, qui va pousser et qui nous bloque. Ou sinon, on peut plus avoir le tampon. Hein. Tout court. On va prendre la pelote, bon, on est au maximum, donc ça c'est cool. Voilà, tu dégages, voir là on peut le taper. Hein. Je fais une petite démonstration, on va prendre la pelote. On monte. Le dernier nuage où il y a de la vie. Maintenant, il va plus falloir se faire toucher. Et là, l'ultra piranha s'énerve et fonce. Encore plus dans le stress, il va falloir encore plus se dépêcher. Bien activer les plateformes parce que là, si on merde, eh ben, on est dans la merde. Prends la fleur ici, toi tu viens, je te jette là-haut, je te prends le tampon. Ah, ça va extrêmement vite, hein. Les deux pas piranha, on va prendre le tampon là-haut. Putain, il s'approche. La fleur là-haut, pas le choix, il va falloir jeter une pelote. Et on se casse. Ouh. On retourne en arrière, puisque la dernière pelote se trouve juste ici. Voilà. Ouh. Niveau très très rapide, très très stressant aussi. Alors, pas de bonus, s'il te plaît, merci. J'aime bien quand il n'y a pas de bonus. 100% du niveau. Galère, galère, hein, ce level. Voilà, ça, c'est bon. Nous allons reconstituer notre Yoshi console, hein, comme j'aime bien dire. Conseil, prenez l'aimant, voilà, comme j'avais dit. Hein, l'aimant, je l'avais pris vers les débuts. Après, quand on a le timing, ça va, hein. Faut toujours être en avance par rapport au scrolling en fait. Et quand tu connais les emplacements, c'est cool. Alors, Yoshi N64. Ok, allez, on est parti pour le niveau 5S. Niveau 5S dans la neige. Bon, il va y avoir un peu de neige, mais il va pas falloir s'amuser à glisser. Ça va être tranquille. On va prendre aimant objet, c'est important. Et c'est ultra simple si on le prend. On y va. Alors c'est tout simple, hein, le niveau là, c'est pas ça. On va prendre cette petite flèche qui va nous y emmener. C'est un jeu encore avec les rideaux. Donc un scrolling encore une fois, si on peut dire ça comme ça. Il va falloir s'amuser à sauter. Voilà, comme ici, voilà. Faut bien attendre, faut bien visualiser. On va prendre la pelote tout doucement, tranquille, voilà. On va faire ce qui est en bas. Maintenant c'est en haut. Il faut bien regarder sur le côté droit, hein. Pas regarder notre personnage. Et là l'aimant objet fait tout le travail. Il prend tout seul. J'ai besoin de caser au milieu, il va prendre tout seul. Hop là, on va récupérer la fleur. Voilà, elle veut bien. On saute encore une fois, on attend. Musique sympathique, niveau sympathique aussi. Hein. Encore une fois, une fleur en haut. La pelote, juste ici. Donc c'est offert, hein, c'est sur le chemin. C'est tout simple. Encore une fois. Il faut pas se rater, il va falloir activer. Voilà. Le petit point d'exclamation, on l'a eu pour avoir une fleur. Saute. On saute. Va extrêmement vite. Pas se tuer non plus, hein. Ça serait con. Des joyaux qui vont apparaître, qui vont faire un petit slalom. Haut, en bas. Et retourne au milieu. On récupère. Et on saute pour avoir la fleur et toute la vie. Et là, pas le choix. Le truc nous met sur le bonus directement tout seul. Voilà, truc casse-couille. Bon, au moins on a le 100%. Et ça, c'est cool. Yeah. Vas-y, Yoshi. Donc voilà, tu fais un niveau bien magnifique quand même. Moi, j'ai trouvé super. Comme le dit à droite, ce niveau est trop bien. Le nouveau Yoshi.
Super Nintendo, si on se trompe pas, avec un essai gratuit. Pourquoi pas? Allez, Yoshi! Super Nintendo, voilà. Allez, on est paré pour le niveau 6S. On est parti pour le niveau des ténèbres. Bravo les DOS volants. Niveau 6, secret. On va prendre objet caché visible. On y va. Let's go! C'est un niveau avec plein de lave, il y a des plateformes voilà, qui tombent. Et aussi ces putains d'oiseaux là qu'on vient d'en ramasser un. On prend la pelote. Attention ici, il y a une fleur cachée. Alors, énormément de lave, voilà. Il va falloir sauter dessus, tout récolter et tracer notre chemin tranquillement au-dessus des flammes. Pelote qui se situe juste en bas, on va sauter dessus. Donc faut vraiment gérer, je sais pas comment on pourrait dire ça, hein, le fait de voler avec Yoshi en se maintenant à la bonne hauteur. Ici, il va falloir s'amuser avec une pelote bien visée. Si on se rate, on est mort. Tu recommences le niveau, hein, tout court. On va se faire le plein de pelotes juste ici. Donc j'attends bien, je les ramasse. Comme ceci. Toi, je te crache dessus. Je l'ai raté. Lui, on va le prendre. Et on y va. J'en ai 4, ça devrait être tranquille. On peut lui sauter au-dessus, hein, tranquillement. On prend la pelote, on se casse. Ils vont nous en sortir encore, ces enfoirés. Voilà, on passe à chaque fois au-dessus. On ramasse les tampons qui traînent par-ci, par-là. Et le reste, on s'en bat les yeux. Les nuages, on va activer une pelote. Je me maintiens toujours en hauteur. J'essaie de pas trop activer ces petites plateformes. Voilà, je remonte dessus. Et on saute pour avoir l'autre nuage. Parce qu'après, j'aurai plus de plateforme, tu vois, pour aller chercher la fleur, là, par exemple. Les oiseaux, il va falloir repasser au-dessus encore une fois. Bien maintenir le fait de voler. En prenant les tampons, faire gaffe de ne pas se faire toucher. Et ici, le moment le plus dur, il y a un truc caché. Il va falloir sauter au bon moment, sauter sur l'oiseau et remonter dans le tuyau. Bah. Ah oui, et avoir une pelote. Si on n'a pas cette dernière pelote, on est dans la merde pour avoir la fleur et tous les tampons. Et en plus, toute la vie. Je crois que c'était le seul moment où il y a de la vie. Let's go! Putain de bonus de merde! Bon, c'est pas grave. Comme d'hab, on va skipper cette partie-là. On a le 100% du level. Et comme on a le 100% bah, sur tous les niveaux secrets, un nouveau niveau va être dévoilé. On va le voir juste après qu'on ait reconstitué ce Yoshi. Laissez tomber les blocs. Voilà, il y a pas mal quand même de personnes qui me donnent des petits indices. Nous, on va reconstituer le Yoshi. On a fait tous les niveaux secrets à 100%. Un nouveau niveau est disponible sur Tricotile. Eh bien, on va aller voir ça. Et bien entendu, Yoshi NES. Très bonne console. Voilà. On se retrouve pour le niveau étoile. Le niveau étoile S qu'on a débloqué. Bon, c'est un œuf. Je sais plus s'il était là en début de série. Merveilleux monde moelleux. On va prendre le badge. Bien entendu, objet caché visible. Et ce niveau a une grosse particularité. On le verra. Alors, le truc, c'est que ça va mélanger tous les mondes qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, du monde 1 jusqu'au monde 6. Bon, ici, de la vie qui est donnée gratuitement. On va prendre ce petit masque et on va le jeter sur le moulin avant. Alors, ces moulins qu'on avait vus... Alors, je me souviens plus très bien. Je crois que c'est le niveau 1-2. Je suis pas sûr. Un tampon ici. Donc, c'est des parties qui sont pas longues. Mais le niveau lui-même est assez long. Les moulins ils sont ultra rapides, c'est assez casse-cou pour aller chercher les trucs en bas. Voilà, faire gaffe à la bestiole verte. On se casse. Donc première partie, elle est faite, tu vois, c'est pas long. Hein. Deuxième partie, donc le monde 2, hein, le monde du désert. On reprend la vie pour être au maximum. Alors, on peut croire que c'est assez simple, mais en fait c'est assez casse-cou. Ces connards tapis, ils font extrêmement chier. Ils vont à la même vitesse que ces petites boules. Et du coup, des fois, on se fait niquer parce qu'on se fait avoir. En plus, il faut prendre les tampons qui traînent. J'ai perdu de la vue pour rien. Oula, casse-toi, toi. Bouge. Wow. On prend le nuage qui est là. Je vais me reprendre un petit peu de pelote quand même. On va avoir besoin. Et on se casse. Monde 3 avec les bulles. Ça te rappelle les nuages.
Mon 3 que j'avais bien apprécié d'ailleurs avec les petits nuages. C'est les petites bestioles là quand on sait, c'est génial. C'est trop bien ce truc, mon niveau préféré. Hop, on va rebondir sur ce truc là. Et on continue sur les petits arcs-en-ciel qui apparaissent. Lui, on va le laisser percer ces endroits là. Pour lui, bah faire pareil et prendre la pelote. On va attendre que l'arc-en-ciel revienne. Et on avance. Ici, la même chose, à chaque fois qu'il y a une bulle, elle peut être éclatée. Les nuages sont... Enfin, les arcs-en-ciel sont extrêmement speed ici. Faire très attention, pour ça je fais que de voler. Ça va le choper et me faire des pelotes, c'est un peu gratuit. Oh putain, c'est bon, j'ai eu le tampon, je m'en bats les couilles du reste. Et toi tu viens avec moi. Hop là. Partie 4. Un 4 avec l'eau, hein, le petit radeau, si t'en rappelles bien. Les gros poissons, les saumons. Ici encore de la vie, il y aura toujours de la vie au début. Hein. Donc ça déjà c'est assez génial. Hop, on va attendre. Hein. On se laisse aller sur le petit radeau. Le petit radeau qui se ramène. Là je vais attendre pour niquer le poiscaille avec. Et nous on passe, et lui va crever comme un connard. Ouf, dans l'eau. La décoration avec Yoshi, un peu rien à faire. Voilà, tampon. Une fleur ici et on monte. Parce que le saumon va sauter. Voilà. Encore un tampon une fois ici. On reste bien au bout. Et dès qu'on voit la corde, on saute dessus. Et on va atteindre la troisième corde juste ici pour la pelote. Et on remonte avant que le poisson ne bouge. Cinquième partie. Monde de glace. Alors ici, qu'est-ce que j'ai pu rager? Bon, bien sûr, c'est hors caméra, mais qu'est-ce que j'ai pu rager? Ce niveau est d'un casse-couille, les pics qui te one-shot sur les côtés. Et on fait que de glisser, donc faut faire que de sauter. Et prendre ces putains de pingouins, et attention, pas de rebondir dessus, parce qu'ils vont te faire rebondir soit sur les points carnivores, qui vont t'avaler après, soit sur le pic qui te one-shot. C'est cool, hein? Surtout à un moment, il y a un truc qu'il faut pas rater. Voilà. Tu vois, on fait que de sauter. Ça évite de glisser. Toi, tu viens par là. On saute dessus. On jette ça là-haut. On va chercher la fleur sans crever. Oh putain. Oh. Putain, ce connard m'a avalé. Bon, c'est pas grave. Il y aura de la vie après si je me fais pas dans les pics comme un connard. Putain, et puis il m'a fait lâcher mes pelotes. Enfoiré. On va attendre que ça remonte. Et on y va. Ouf. On va prendre ça. Je sais plus, on a la partie combien là. À prendre le badge. Immunisé contre le feu, hein, on sait jamais si je me casse la gueule. Ça c'est monde 5 ou monde 6, du coup je sais même plus si j'ai décalé. Je sais même plus où j'en suis. C'est pas grave. Tu le sauras. Faut essayer d'être Kamek hein, pour ces petits cubes. Qu'elle les dégage. Enfin, qui les dégage. Une pelote qui est en bas. On va se mettre sur le troisième. Vas-y, dégage-moi tout ça. Et viens par ici. De l'autre côté. Oh putain. Oh. Oh, j'ai préféré sauter dans la lave que de me faire niquer par Kamek. Hein. Putain, mais elle me fait chier. Allez, va chercher la pelote. Attends, on va faire là. Et là-haut. En plus, j'arrête pas de te dire elle, Kamek, mais ça lui sonne tellement mieux à elle que lui. En plus, elle est une fille. Peut-être une ligne de magicien. Les rouges, ce sont des tampons. Donc, faut les prendre. Bon, et après qu'on ait passé ça, là, ce sera un peu plus simple. Allez Kamek, tu vas réussir. Vas-y. Merci. Hop là. Dégage, dégage. Et dégage. Voilà, on arrive à la partie la plus calme. Celle-là est toute simple. Tu prends la flèche, tu prends la fleur. Là on voit la planète où il y a eu Boiser bébé. Qui était exilé. Et encore l'autre partie. Aussi cool. Donc on va récolter les tampons qui traînent, s'il y en a. On prend tout, on sait jamais. Comme ici. Et ici. Une pelote. Et là, ils vont nous faire comme à Super Mario 3D World. Je sais pas si toi t'as vu mon let's play ou si t'as joué au jeu. Pareil que j'ai fait à 100%. Ils vont faire la même chose. On va pouvoir. Yoshi. Bon, bah, ils ont pas écrit Wii World, hein. Tant pis. Mais ils ont marqué Yoshi. Donc voilà. Petit clin d'œil à Yoshi. On prend tout. Passons, on a fini, on est tranquille. Let's go! Jusqu'à la fin! Pas de bonus, s'il vous plaît!
C'est bien. Donc niveau quand même très très long, hein, t'as pu le voir. Hein. Pourtant les parties assez simples. 100%. Que des pelotes blanches. Alors moi j'ai pensé au début à la NX. Mais non, ils ont pas fait ça. C'est un truc tout con, c'est plus une console. On va le voir tout simplement. Quand on va le reformer. 1100 écussons tampons. Waouh. Création Yoshi avec tous nos copains à côté. Yoshi blanc brillant. Yoshi étincelant. Voilà. Bon, à partir d'ici, on a fait le truc à 100%. Bon, c'est pas encore fini. En fait, il reste quelques trucs. On va pouvoir le voir. Aperçu des mondes. Voilà. Ici, il reste le chapiteau des boss. État des souvenirs. On va faire un petit tour sur les autres mondes. On peut voir déjà à 100%. Et en fait, le chapiteau des boss, va falloir redéfier tous les boss qu'on a fait. Et la particularité, c'est qu'ils seront très très rapides. Donc, c'est assez casse-couille. Et pour ce qui était des souvenirs, en fait, bah, on verra juste après. On va juste faire un petit tour au chapiteau des boss. Parce qu'on aura fini de montrer. Pavillon amiibo, hein, je suis pas d'amiibo. On va aller faire un petit tour dedans. Et il nous reste 3 Yoshi en fait à débloquer. Et bien, tout simplement, c'est ici qu'on peut les débloquer. On peut voir, il y a des pelotes. Battez-en un pour pouvoir affronter le suivant. Donc, il va falloir redéfier tous les boss. Et reconstituer les Yoshi, donc c'est Yoshi bronze, Yoshi argent et Yoshi or. C'est tout con. Donc nous on va pas le faire, on a fait le 100% d'un truc d'émeraude. Ça c'est, on va dire, secondaire, même si ça fait partie un peu du 100%. On pourrait dire c'est un 100% 100%. On va aller faire un tour dans le théâtre des souvenirs aussi. Parce que ça aussi on n'a pas à 100%, il y a des musiques. Il y a des monstres aussi qu'on n'a pas trouvé. On les a trouvés mais c'est tout con en fait. Il faut leur jeter, c'est des pelotes dessus. Lorsque tu jettes une pelote dessus, il est considéré comme capturé, comme vu. Entre guillemets. On va voir un bestiaire, il y a 51 sur 73. On peut voir qu'il y a, il va me manquer des monstres, des bestioles. Voilà. Comme ici. Et en fait, il faut les capturer avec une pelote. Donc c'est tout simple. Il va falloir se faire chier à refaire les niveaux. Donc moi, je trouve ça pas intéressant. Surtout le chapiteau des boss. En plus, on revoit les boss, ils sont juste un peu plus rapides au niveau commentary. Pas grand chose à dire, on l'a déjà tous vu. Donc je vais pas m'intéresser à ça, juste pour ça. Les musiques, il m'en manque deux. Alors pourquoi, ça j'en sais rien du tout. Peut-être si on capture... peut-être si on reconstitue les trois derniers Yoshi. Donc Yoshi, bronze, argent, or. Et si on a rempli tout le bestiaire, peut-être qu'ils vont nous donner deux nouvelles musiques. Peut-être ça. On peut voir, hein, il y a un large panel de choix en musique, il m'en manque deux. Retrouvez les ennemis que vous avez touchés avec vos pelotes, écoutez la musique des endroits que vous avez visités. Alors, il n'y a pas d'autre endroit, hein, j'espère. Hein. Je vais m'intéresser à ça sur Internet, mais logiquement, c'était le dernier niveau. Hein. Il n'y a pas de monde étoile. C'était ça, le niveau étoile secret. Voilà. Allez, bon. J'espère que tu auras apprécié cette série. Et puis, tu donnes ton avis dans les commentaires, comme d'habitude. Sur ce, porte-toi bien. C'était Agito. Bisous. Ouah.